Salut les geeks, bienvenue pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci de la bonne box, de le retour de la Z-Box. Alors la Z-Box, on l'avait fait sur FNG celle-ci, hein. Ouais. Ouais, et on en était pas hyper content. Non, c'était pas une grande réussite. Et on l'a reprise. Et comme on est con, on l'a reprise bien sûr. Non, en fait, on a reçu un petit mail, on voit souvent et du coup il y avait une petite OP. Je crois que celle-ci on l'a payée pas cher. 1€ je crois. Non, c'est pas celle-ci, c'est une autre. 10€ celle-ci. On l'a payé 10€ pour un abonnement de 3 mois, donc on en a pris 3. Voilà, donc comme ça. Donc là, j'ai pas du tout de souvenir du thème. Ah non. Si, je crois qu'il y a du Harry Potter dedans. Et tu m'as pas dit qu'il y avait un goodies qui avait été enlevé parce qu'ils avaient pas réussi à avoir. Ouais, si, il y avait un souci. Ouais. Alors, ils avaient été remplacés par un goodies de. Ils avaient annoncé, il me semble, du Harry Potter, des animaux fantastiques, des trucs comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc bah, vous trouverez le lien dans la description si la Z-Box vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Après, c'est pas une critique, mais elle est très légère. C'est clair, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans, quoi. Donc c'est chaud. C'est tendu. Il n'y a pas le poids dessus. Non, ils l'ont pas mis, dommage. Non, parce que vraiment, elle est pas lourde du tout. Bon bah allez, c'est parti, on y va. Donc comme d'hab, on déballe un goodies et on vous le présente. Allez, vas-y. Oh bah ma foi, il y a du beau monde. Allez, tu commences, vas-y. Ah, c'est parti. Ça faisait longtemps la Z-Box. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Mais en fait non, c'est que à la place des pins maintenant, ils font ça. Ils mettent des jetons limités en fait. Et c'est toujours des thèmes de ouf. Et là, il faut les laisser sous scellés, c'est collector. Ah ouais. Et ils ont mettant tout ça, ça remplace le pins qu'il y avait avant. Et c'est pas mal, j'aime bien. Petite médaille comme voilà, on a tu vois, il y a que les musées dans le monde. Dans les musées. C'est ça, il y a c'est Hellboy bien sûr. Elle est magnifique, très très belle. C'est vrai que par contre, rien que pour ça, j'avoue, c'est pas mal les jetons là, c'est. C'est quali. Les pièces. Ouais, c'est super quali. Ouais. Moi j'aime bien, t'as pas? Non. Oh! Eh, on en avait parlé l'autre jour dans une vidéo. C'est quoi, un foot? Ah, une peluche. Et du coup, alors. Bah ça, c'est un dé en fait, c'est un dé, c'est les dés qu'utilisent les mecs qui font du roleplay, etc. J'ai l'impression. En fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, il y a un écrit. Born Geekly, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est une espèce de dé. On voit bien que c'est un dé à 12 faces. À 12 faces. Du coup, c'est utilisé dans tout ce qu'ils font, tous ceux qui font les maîtres du jeu, etc. Les dés, voilà. Donc, ouais. Je vois pas trop. Je me souviens plus du thème, vraiment, j'ai oublié le thème. Bon, ils vont nous le dire. Bon, bah, ça va être compliqué de le retrouver ouais. Avec ces deux éléments. Je crois que c'est Mystical, je crois. T'es sûr que c'est pas plutôt Woodbox Mystical? Je sais plus. On va voir ça. On enchaîne. Très important la protection. Ah, il y a un t-shirt. Ah, et il y a une pop. Ah, et bien. C'est tout. Ah, bah c'est pas mal. Une pop. C'est Gear of War. Kate Diaz. C'est du Gear of War. Non, mais il est pas du tout. C'est, je suis pas fan. C'est ouais. Jeu vidéo. Ah, mais c'est bien ce que je pensais en fait. Z-Box a oublié le Wolverine Box. Ça, c'est celle du mois de. Ouais, il m'en manque une. C'est bien ce que je pensais, j'en étais sûr. Il m'en avait envoyé une le 25 juin, je l'avais jamais reçue. Et là, on est le 8 juillet quand même. Hein, donc, ça, c'est la box de l'ancien. Je pense que c'est celle du mois de juillet. Et celle de juin, je l'ai pas reçue. Parce que normalement, ouais. Il y avait des thèmes Harry Potter. Moi, j'avais vu, il y a plein de donc trucs. Ça, c'est tout ce qui voilà, a la changé de thème. Mais bon. Et du coup, nous, on a eu elle. Alors, je connais pas du tout le personnage, pas du tout le jeu vidéo. Et enfin, le t-shirt. Ah, ben non, Harry Potter. Donc, c'est un t-shirt officiel Harry Potter. Donc, non, c'est bien celle-là. Pardon, autant pour moi. Ouh, putain! Alors c'est un t-shirt officiel, Harry Potter pour une fois, donc c'est rare sur les Z-Box. Un t-shirt HP. Et du coup par contre, waouh, c'est sympa avec toutes les maisons, ils ont mis les animaux. Ils ont tous mis. Ouais, donc il y a Serdaigle, Poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. Et ils ont illustré ça avec les animaux en fait, mais vraiment en mode wild, en mode sauvage quoi, c'est vraiment sympa. Ça change. Un t-shirt blanc, bon ok, par contre ta taille M comme d'hab c'est c'est hyper mince. Large. C'est mince quoi. Mais ouais, un petit t-shirt, bon c'est pas mal. Ah, et c'est bien un produit officiel. Sympa. Et c'est un produit officiel Harry Potter. Ouais, ça c'est cool. Et sympa. Ouais, c'est sympa. Le t-shirt est joli. C'est pas mal. Ok. Et donc là, c'est tout ce qu'il y a de joli. Mais le t-shirt. La box est bien vide. Donc, bah écoute, Z-Box ça change pas visiblement. C'est oui. Toujours pareil. Quelques années plus c'est tard. C'est ça. Ouais, que, là, parce que la dernière ça devait faire genre un an et demi. Ouais, un an et demi, peut-être qu'on l'a pas ouvert. Pas d'amélioration. Donc, c'est ça, ça a pas trop changé. Bon, il y a du produit officiel avant, il y a pas beaucoup de produits officiels. Bon. Du coup, bah. On va faire le tour vite fait de la box, hein, ça va être rapide. Allez, ça, une balle des. Je sais même pas ce qu'on va en foutre. Ça. Donc le jeton, bon, ça a mis, c'est fun, mais ça reste du remplissage. Ça. Donc concrètement, en goodies, on a une pop. Qu'on gardera pas parce que c'est. On voilà. Collectionne pas. On la collectionne pas. Et ouais, le t-shirt Harry Potter, donc il n'y a que le t-shirt qui nous a coûté. Donc, on a payé le t-shirt. Heureusement qu'on l'a payé que 10€ celle-ci parce que ça doit être le prix du t-shirt 10-15 balles. Ouais. Quoi que non, c'est 20€ sur officiel. Bon. Bref, c'est pas grave. La note. La note. On lance les dés. On lance les dés, voilà, vas-y. Je triche.
1. Y'a pas 0. Ouais, parce qu'il y a pas 0. Non, franchement, ouais, non, c'est pas terrible quoi. Non, j'aime c'est pas vraiment du pas tout. Terrible. J'aime pas du tout. Y'a rien du tout. Non, y a que le t-shirt. Ouais, voilà, le t-shirt, la pop à la limite, mais bon, là, je sais pas, c'est pas terrible. Ouais, moi, je vais mettre 3 quoi. Ouais. 3 et encore, t'es gentil, moi je vais mettre 2. Mais encore, je me force. Ouais, bon. Parce que franchement, elle mérite même pas d'être notée. Bref, c'est pas une grande réussite, donc ça me fait peur. J'ai peur que le troisième. Enfin, il y a deux autres box, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, de toute façon, voilà. Ouais, si les thèmes sont pareils, ouais. J'espère que ça va s'améliorer, c'est vraiment pas terrible. Bon, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-nous quand même ce que vous en avez pensé. Ouais. Si vous êtes courageux, il y aura le lien dans la description avec un code promo, on va vous le mettre. Oui, quand même. Et puis voilà, si vous voulez profiter de la super promo aux Zbox. C'est ça. Nous, ouais, de toute façon, on attendait pas grand. Honnêtement, on avait parlé avec Ron avant. On attendait pas grand chose de cette box. Finalement, c'est, voilà, vu le poids, ça on a se pas changé. Ouais, ça a pas changé depuis toutes ces années. Ça reste toujours de la merde. Désolé. Voilà. Bon, allez, cette vidéo touche à sa fin, les amis. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez, ciao.